Bonsoir. À la une de l'actualité, cette dégradation de la situation sanitaire dans la région. Les derniers chiffres publiés par l'ARS montrent une accélération de l'épidémie depuis la fin de la semaine dernière. Le taux d'incidence en Vendée a fait un bond de 18 points, passant de 125 à 143 cas positifs pour 100 000 habitants. Parmi les secteurs les plus touchés, le nord-est du département. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés a aussi connu une hausse ces derniers jours. 832 patients sont actuellement pris en charge dans les Pays de la Loire, dont 6 malades d'Île-de-France. En Vendée, la situation est relativement stable avec 82 patients hospitalisés, dont 9 en réanimation. Et une nouvelle conférence de presse de Jean Castex aura lieu demain soir. De nouvelles restrictions devraient être annoncées pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Dans ce contexte, la réouverture prochaine des bars et des restaurants s'éloigne. Malgré tout, un protocole de reprise d'activité a été présenté hier. Il comprend 3 étapes. D'abord, une réouverture des restaurants dans les hôtels pour les petits déjeuners. Dans un second temps, l'ouverture des terrasses et une jauge de 50% à l'intérieur des bars et des restaurants. La dernière phase serait une réouverture complète des établissements. Et entre chacune de ces étapes, une période d'au moins 4 semaines. Écoutez ce qu'en pense la responsable de ce restaurant, La Roche-sur-Yon. Rouvrir à 50%, rouvrir en totalité, rouvrir par phase de 1 mois, est-ce qu'au bout d'un mois, ça sera réellement adapté, réellement possible ? Est-ce que de fixer encore des dates, enfin des durées en fait, 1 mois, pourquoi 1 mois, pourquoi pas 15 jours, pourquoi pas 3 semaines, pourquoi... Donc je pense plus que c'est pour faire attendre, patienter tout le monde, parce que on attend tous une date, mais on sait très bien qu'une date maintenant, ça sert plus à rien, puisqu'on a eu les dates du 20 janvier, de 15 février, 6 avril qui est couru un peu sur les réseaux, mais aujourd'hui on n'a aucune date. Et en attendant, la lutte contre l'épidémie se poursuit. Les autorités souhaitent notamment renforcer le dépistage. La Vendée va disposer prochainement de renforts de personnel capables de mener et d'encadrer des campagnes de tests dans les écoles ou les entreprises. Des volontaires sont actuellement formés pour devenir médiateurs. Découverte signée Alexia Janet. Je vais vous demander de baisser votre masque juste en le gardant sur votre bouche. On pourrait croire à une vraie campagne de dépistage. En réalité, il s'agit d'une formation aux techniques de prélèvement. Et c'est fini pour vous. Ces 12 élèves médiateurs ont été recrutés par la protection civile ou l'éducation nationale. Ici, ils suivent une journée de formation aux techniques de dépistage, de l'accueil jusqu'à la communication des résultats, en passant par les différents types de prélèvements et le contact tracing. On a un certain nombre de procédures à respecter, notamment, et on insiste beaucoup, sur l'identitovigilance, sur le fait d'être assez précautionneux, doux. Donc l'identitovigilance, c'est toujours le bon test pour le bon patient, c'est vaut mieux. Et puis apprendre aux personnes qui sont volontaires à effectivement introduire un coton, comme vous dites, un écouvillon pour nous, de le tourner un certain nombre de fois, d'avoir cette technique, permet aussi, d'impliquer la population, me semble-t-il, dans ce geste citoyen. Au total, une cinquantaine de personnes formées sur une dizaine de dates qui sont directement envoyées sur des campagnes de dépistage dans les entreprises ou encore dans les écoles. Aujourd'hui, nous avons une formation qui est mixte puisqu'il y aura des équipes de médiateurs départementales, donc pilotées par l'ARS et la préfecture, et il y aura des équipes internes à l'éducation nationale. Que jusque-là, lorsque nous organisions des dépistages, nous faisions systématiquement appel à des laboratoires qui eux-mêmes se déployaient dans des entreprises, dans des écoles ou sur du populaire. Et l'idée est de pouvoir venir renforcer ce dispositif des laboratoires avec des équipes mobiles pour pouvoir vraiment être très réactifs. Cette formation de médiateur est la première à voir le jour dans le département. Elle répond à la situation préoccupante du moment. Plus on dépiste, plus on a de chances de trouver. Il y a quand même l'arrivée des nouveaux variants qui font aussi qu'il y ait une contagion qui est plus importante. Donc l'intérêt, c'est de dépister au plus tôt pour pouvoir isoler et éviter cette propagation du virus. Nous, en tant qu'organisme de formation, c'est de notre devoir de former des professionnels pour ce dépistage. Cette formation s'étend jusqu'à la fin avril, mais elle pourrait être renouvelée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire ces prochaines semaines. Et avec cette crise sanitaire, depuis 1 an, les outils informatiques ont pris davantage de place dans notre quotidien, renforçant les inégalités face au numérique. À Fontenelle-Comte, du matériel informatique vient d'être offert à des enfants habitant le quartier prioritaire des Moulins Liot et qui ne disposaient pas d'ordinateur chez eux. Ce don de matériel est complété par l'attribution de passes numériques pour permettre à leurs parents de suivre une session de formation.
Le premier confinement a aussi rimé avec cours à distance. Les parents devaient récupérer les cours via ces plateformes-là pour ensuite permettre aux enfants de suivre à distance la scolarité. Donc c'est vrai que toutes les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou même à un ordinateur, ça a été très compliqué. En fait, on s'est rendu compte que les familles qui utilisaient simplement un téléphone portable, par exemple, sont très limitées. Et c'est insuffisant. Et d'où la nécessaire obligation d'être équipée d'un point de vue numérique. Ça devient indispensable. C'est une initiative lancée en réponse aux restrictions sanitaires dans le domaine du sport à Bellevigny. Tous les week-ends, quelques habitants se réunissent sur un parking pour effectuer une séance d'activité physique encadrée par un coach bénévole. Un moyen de continuer la pratique sportive et de renforcer les liens alors que les salles spécialisées sont fermées. Reportage Aurélien Huard. Du cardio, du gainage ou encore des abdominaux, avec de la musique et un coach, voilà ce dont peuvent profiter ces sportifs de tous niveaux et de tous âges chaque week-end sur un parking à Belleville-sur-Vie. Au début de l'année, plusieurs personnes évoquaient l'idée de se retrouver pour faire du sport sur le groupe Facebook Solidarité Bellevigny créé lors du confinement. Un appel auquel a répondu Thierry Icoli. Il se propose d'animer des séances sportives gratuites et ouvertes à tous. Quand j'étais sur Nantes, j'étais avec un ami à moi et puis ça nous arrivait de faire quelques trainings comme ça. Et du coup, quand je suis venu ici et que j'ai emménagé ici, j'ai arrêté un petit peu. J'ai emménagé avec ma femme et c'est elle qui m'a donné l'idée par rapport à la page qu'il y a sur Facebook de Solidarité Bellevigny de donner des cours aux gens gratuitement parce qu'avec le Covid et tout ça, c'est pas facile, les salles sont fermées. Thierry, coordinateur en sécurité mobile dans la vie de tous les jours, est aussi et surtout un passionné de sport. Il dispose d'une salle personnelle et peut donc fournir du matériel aux participants qui, eux, doivent venir avec leur tapis de fitness, leur motivation et leur bonne humeur. Thierry Icoli leur propose différents exercices et les accompagne pendant environ trois quarts d'heure. Franchement, c'est toujours un plaisir. Étant donné les circonstances actuelles, franchement, si on peut s'entraider entre nous et faire un petit peu de sport ensemble, tout en respectant bien sûr les distanciations, que demande le peuple? Avec les enfants, Thomas n'est pas venu avec sa grande sœur aujourd'hui, mais on appelle Thierry Maître Gyms. Chaque week-end, le groupe s'étoffe avec des participants ravis de cette initiative. Être à l'extérieur avec du monde, ça permet voilà, de se motiver ensemble et de tenir ensemble. Donc moi, je trouve ça top. Les exercices, ils sont adaptés à tout le monde, en fait, puisqu'il y a des variations suivant la capacité de chacun. On est toujours un peu déprimé d'être tout seul. Et là, c'est vrai que l'émulation par le groupe, c'est motivant. Thierry respecte en fait le niveau de chacun et accompagne. Donc, toi aussi, t'es content, Thomas? Oui. Tu souhaites que ça continue? Oui. Ah, bon, bah, merci à Thierry, quoi. Thierry Icoli aimerait proposer des séances dans différentes communes du secteur. Il envisage d'en organiser à Saligny, au Poiré-sur-Vie ou encore à Dompierre-sur-Yon. Merci à tous en tout cas. Et à l'image des salles de sport, les musées, les salles d'exposition sont aussi fermées, mais les ateliers restent accessibles. Alors certains artistes ont décidé de transformer leur lieu de création en espace d'exposition. À La Roche-sur-Yon, l'artiste plasticienne Maryse Poirier accueille ainsi actuellement dans sa galerie des œuvres d'autres créateurs. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Une vitrine située dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Ben, je travaille presque comme des aquarelles. Un atelier d'artistes ouvert aux autres. Maryse, la propriétaire, a de l'espace. Elle en a profité pour inviter ses amis à exposer leurs œuvres. Moi, j'ai un espace et autant faire profiter les autres. Et puis en même temps, ben, c'est vrai que ça emmène des mondes différents que moi, je ne connais pas forcément, qu'eux connaissent. Donc c'est aussi intéressant pour moi et pour eux. Moi, ce que je remarque, c'est que les gens sont très contents parce qu'il n'y a pas d'autre lieu d'ouvert sur La Roche-sur-Yon. Et les gens qui rentrent sont vraiment intéressés. Exposer, présenter ses travaux, une vraie bouffée d'oxygène par les temps qui courent. Pour moi, c'est formidable parce que, en plus, c'est un bel endroit. Les œuvres, on les voit dans des conditions, je dirais, favorables parce qu'il y a de l'espace, il y a de la lumière. Chez moi, je ne suis pas le mieux placé pour voir mes boulots. Ils sont plutôt entassés les uns sur les autres. Au bout d'un moment, on ne les voit plus. Et ça permet de prendre du recul sur les œuvres, de les voir en conditions justement d'expo. C'est vrai que là, on oublie un peu que l'avenir est incertain, on va dire. Dans l'atelier, vous allez découvrir ces livres, des livres pétrifiés par le temps qu'il fait aussi dehors. Je les sélectionne et après je les mets dehors et je les laisse
En fait, je laisse la nature, le temps, la météo et le temps, la durée, travailler sur mes livres. Une fois qu'ils ont passé l'hiver dehors, je les récupère et c'est moi qui interviens dessus et qui les sculpte, en fait. C'est un peu comme de l'argile. Moi, je travaille le papier est ramolli et je lui donne une forme. Des livres compressés, colorés, mélangés, à découvrir autour de dessins et de peintures tous les après-midi jusqu'au 29 mars à l'atelier La Berlue de La Roche-sur-Yon. Un dernier mot de littérature. La Société des écrivains de Vendée a remis aujourd'hui ses prix littéraires. L'association récompense chaque année des auteurs vendéens ou qui ont écrit des ouvrages sur la Vendée. Les lauréats 2021 sont Christophe Dubois, qui a rédigé un livre sur les réfugiés des Ardennes en Vendée, ainsi que Dominique Durand, cet auteur de longève, a publié le roman Effacé, un thriller sur la vie d'un homme dont l'existence a été supprimée. Je pense qu'il a été choisi parce que c'est un roman qui est très dans l'air du temps, un peu avant-gardiste, c'est un roman généraliste, mais qui dénonce les menaces informatiques qui pourraient menacer nos libertés individuelles. Donc c'est vraiment un roman moderne, dans l'air du temps, et c'est ce qui a plu aux membres du jury, je pense. Pour moi, c'est vraiment une récompense, quelque part, un plaisir d'avoir été choisi par le jury, la Société des écrivains de Vendée. Et voilà, c'est une vraie satisfaction. Des propos recueillis par Marie-Aimée Copleutre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.